Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la dernière mission. Bon, pas la dernière vidéo, mais la dernière mission du jeu. Donc, c'est, comme vous avez dit, construire un immeuble moderne, un grand immeuble moderne. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé. Alors, j'ai pris la pelle là-bas et j'ai commencé à creuser. Bon, j'ai pas fait tout ça, hein, c'est juste un petit bout que j'ai fait. Puis ça s'est mis comme ça là-bas. Et ici, maintenant, avec le bulldozer, il faut que je prenne l'appel devant là et pousser ça pour que ça pour aplanir pour pouvoir recreuser ici derrière. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors on va peut-être pas au terme quand même. Voyons ça. Je vais creuser, je vais voir. Ah, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Peut-être pas autant quand même. Je crois que. Ce que ça donne, on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Voyons. Ouais, c'est vert à peu près. Bon, c'est ça qu'il faut juste. On va essayer comme ça. Bon, je fais pas vraiment droit, je fais pas vraiment très très plat plutôt, mais je suis pas spécialiste de ça non plus. Hop. Donc on va voir ce que ça donne.
pas évident cette histoire, hein. Peut-être que si je mettais ça aussi. Là, je l'ai comme ça, comme ça. Pas très bonne histoire là-bas. Bon. En fait, là. Ouais, en gros c'est ça. Bon. Ouais, j'ai aplani là, mais j'ai fait. Mais c'est pas grave, c'était juste aplanir le bout qu'il fallait. Ah oui, ça va pas si je fais pas ça. Bon, je fais comme ça. Allez, go, ouais, ça ira. Allez. Je crois que lui, j'en ai plus besoin, il me semble. Allez. Oui, top, hop. Ah oui, ça sert à mais... Ah oui, c'est de plus en plus grand, le truc, là. Alors, ah oui, excaver la zone, oui, ok. Il faut que j'excave ça, là-bas. Ah, d'accord. Enfin, j'ai dit ça, mais j'aurais. J'ai plus besoin. Toi, je n'ai plus besoin. Hop. Entreposer, confiner. Et, oui. Bon. Yep, 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 yep. Par là. Je vais mettre un petit pet.
Alors, il faut que j'excave ça, oui. C'est-à-dire que il faut faire quoi exactement? Faut que je fasse un... Ah oui, il faut que je crase ça en fait, d'accord. Bon, ben on va creuser, hein. Là, bon. Allez. Là. Là, on fait du profond, par contre, hein. Là, on fait du profond. Oula. Où je vais faire comme ça. Bon, ce qu'on va faire. Parce que ça va quand même passer du temps, quand même, c'est pas la peine que je montre plus que ça. Je vais avancer dans la vidéo parce que, bon, quand même, il y en a pour un petit moment, c'est pas la peine que je montre tout quand même. Donc je vais montrer sur la ferme. Donc je vais avancer un petit peu, en fait. On va se retrouver quand j'aurai pratiquement fini. Bon, allez, on va finir maintenant, parce qu'on a pratiquement fini là. Donc on va... Là, ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. Oui, dégager la zone. Là. Ok. C'est parti, alors après quelques temps, voilà. Voilà qu'on ressemble, verser du béton dans les éléments préparés. Alors du béton, faut mettre du béton là. Alors voilà, plutôt voilà. Ça donne ça le chantier. Donc je vais aller remettre ça. Je vais prendre la pompe à béton et je vais aller prendre la toupie puis la pompe. Allez go! On va l'entreposer, on n'a plus besoin. Je vais aller sortir là. Là. Hop là. La pompe à béton. Yes. Je sais plus si elle est par là. Elle est où celle-là? Ici. Et le malaxeur. C'est parti, tac,
Tac, tac, tac, tac, tac. Allez, je suis avec quoi là? On te prendra à toi. Ensuite, ici. Ouais, j'y vais comme ça. M'embête pas, hein. Alors, voyons. Je vais me placer d'abord. Je vais me placer. Voyons. Bon, je me place, ça ne marche pas. Est-ce que je peux me stabiliser? Voyons, on sort ça de suite. Ouais, c'est bon. Ok. Par contre, oui, ça va aller. Ensuite. Ah, parce qu'il faut aller jusque là. Ok. Bon. Allez, voilà l'engin. Voilà l'engin de l'engin d'engin. Je vais pas aller plus loin parce que de toute façon là. Là. Et bon. Là, le malaxeur. Le malaxeur. La gravière. Je sais pas loin, je vais chercher la gravière. La toupie, là voilà. Le Kenworth. Oui, il fait du bruit le Kenworth. Enfin, dans le casque, il fait du bruit en tout cas. Je vais faire un peu de route pour changer. On va brûler un stop, un feu. Allez, hop. Pareil là aussi. C'est pas grave, on va pas faire toute une vidéo, ouais, de toute façon, donc. Allez, on va prendre du concrète, c'est-à-dire du béton. Je me suis trompé, c'est par là. Hop. On est bien ou pas? Bon, ouais, quelque chose près. Allez, go! Voilà! Le béton.
Parce qu'après, on va pouvoir remplir la toupie sans aller à la gravière. Il y a un machin pour remplir automatiquement après, donc. Si je me souviens bien, donc. On se croirait dans Truck Driver ici. Bonjour les cow-boys. Hop, on est arrivé. Alors. Par contre. Ah oui, mais je peux tourner la machine. Je crois. Voyons ça. Alors, voyons. La goulotte. Ouais. Ouais, on peut faire comme ça, voilà. Faut d'abord que je... remplisse le comme ça, que j'ouvre le clapet, il ouvre le clapet ici, le clapet du godet. Ok, malaxeur. Tout droit, allez go. Hop. Là, on est bon, allez go. Là, on est bon. Ouvrir. Activer le coulage du béton. Là, ok, bon. C'est en train de couler. Alors, c'est parti maintenant. Caméra de fonctionnement. Alors, et voilà. Ouais, c'est pas évident, hein, mais... Ouais, ça va à peu près, oui, c'est bon. Là. Je fais ça comme ça, c'est vrai. Le conteneur est vide. Ouais.
Oui. Bon, on va re-remplir. Remplir le véhicule, ouais. Ouais, direct. Et voilà, c'est reparti. Alors, comment ça marche ce truc là? Comme ça, non, ça descend, comme ça monte. Comment est-ce que je fais pour le faire? Bon, ça fait rien. Bon, mais tant pis. Ah oui, mais je peux pas. Je vais. Là-bas, bon, je n'ai pas peine que je fasse ça, je pense que ça va. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis où là? Par là. À peu près, ça va être bon, je pense. Allez dans ça. Non, c'est pas bon. Bon. Alors. Faire comme ça, mais là je suis en haut. Suivez le lever. On peut dire que je suis prêt là aussi, c'est pour ça. Et là, voilà, oui, comme ça. Là. Alors. Bon. Voilà comment marche la pompe à béton. Bon, c'est pas facile à manœuvrer non plus, parce que c'est quand même assez chiant quand même aussi, mais. Allez. Allez, c'est bon. Un de fée, parce que je crois qu'il y en a plusieurs en fait. Attends, je vais faire comme ça, parce que je vois rien quand même. Hop. Verser du béton, oui, dans un suivant. Ça, j'avais compris. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un. Et dans quoi il faut mettre d'ailleurs? C'est un parking, ça, souterrain, je pense alors. Ah, oui, c'est un parking souterrain. Ah, oui, là, ici. C'est un parking souterrain, ça, je pense. En fait. Bon. Je vais essayer d'aller. Est-ce que. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça?
Ça fait ça. C'est le parking souterrain, je pense, alors. Alors. On va faire comme ça, alors. Il faut que je lève, non? Peut-être, ça serait bien. C'est pas y arriver à lever. C'est quoi ce truc-là, déjà? Ouais. Ouais, justement, ça tombe bien. Là, mais je voudrais lever d'abord. Ah voilà. Là. Ah non. Rebelote, c'est reparti. Remplir. Oui, on va remplir. Oui. Voilà. Hop. Et on remet. Mais c'est pratique. Il n'y a pas besoin de repartir. Fonctionnement. Alors, voyons ça. On va essayer ça. Il va être en face normalement. Très bien. Ok. Versus béton, évidemment, c'est prêt suivant. Donc voilà. Ah oui, là par contre. Ah oui, alors là. Les amis, c'est la bouffon, non? C'est ça? Ah oui. Alors, alors ça donne ça. Après, une fois bétonné. Donc effectivement, c'est un parking souterrain dessous. Par contre, là-bas, c'est la bouffon qu'il faut que je mette. Il faut que je fasse avec la grue, ça veut dire, parce que je vais pas y arriver là. Hein. Ça va être un arrêt. Ouais, il faut que je change de côté. Ce que je vais faire, je vais faire une coupure, je vais me mettre là-bas avec le... J'ai pas envie de prendre la grue parce que la grue, je la prendrai après. Je vais essayer de faire avec la toupie et me mettre de l'autre côté là-bas, peut-être que j'y arriverai. Parce que là, avec ça, je vais pas y arriver, là, c'est trop loin. Hein. C'est pas la peine que j'essaye. Oui, hein, ça m'étonnerait. Non, mais je suis trop loin, de toute façon. Non. Non mais de toute façon je suis trop loin. Je vais me mettre là-bas au niveau de la grue là-bas au fond. Ou l'emplacement de la grue. Puisque je suis là-bas au fond. Je vais faire comme ça. Et je vais couper le temps de 8 mètres, je vais couper la vidéo. Et on va se retrouver là-bas. Ok, on fait comme ça. Bon, nous y voici, nous y voilà. Ça y est, j'ai réussi à m'y mettre. Donc maintenant, on va essayer de... Remplir celui-là, c'est le dernier normalement. Donc normalement. On devrait le remplir. Après. Ah. Là, voilà, terminé. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ça y est, réalisation suivante. Deux murs en préfabriqué. Donc ça, c'est du... Hop. Alors, pour vous donner une idée, voilà. Maintenant, on en est là. Voilà. Bon. Voilà à quoi ressemble notre... une fois fait. Ça ressemble à ça. On dirait un bateau. C'est marrant. voilà. Donc là, maintenant, il faut faire des murs. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette les murs dans le... Deux murs en préfabriqué. Ouais. Livré. Donc là, il faut que je fasse avec la... Avec la grue, maintenant. C'est du travail de grue. Donc ça, je ferai ça la prochaine fois. Parce que là, on en est déjà, voilà, aux 36 minutes. C'est pas la peine que je fasse plus. Alors, je vais essayer de faire la prochaine fois. À une vidéo ou deux, je sais pas. On va voir.
parce que là, bon, de toute façon, c'est du travail de grue maintenant. J'ai plus besoin de béton. Donc je vais essayer déjà de remettre ça. Comme ça. Le replier, j'ai un petit peu de temps. 36 minutes, voilà. Et dans ce sens, là. Et alors, lui, on va l'arrêter. Arrêter. Ensuite, je vais faire ça. C'est fait. Passez-moi de conduite. Voilà. Bon. Allez. Oula. Il y a un hélicoptère par là ou quoi? Donc voilà, je vais mettre la grue. La prochaine fois, je vais mettre la grue. Et les trucs, voilà. Bon, ok. Donc voilà, je vous dis bye bye. Prochaine vidéo, ça va être travail de grue. Pour montrer le, bah, les murs. Hein. Il y a les murs montés, apparemment. Donc voilà. Donc voilà. Et bien, à la prochaine vidéo. Donc.